Recoucou à toutes, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve encore aujourd'hui parce que j'ai fait plusieurs vidéos entre guillemets d'affilée. Bon bref, on s'en fiche, passons. Là on se retrouve donc pour un haul entre guillemets, Disneyland de Paris. Dans le sens où nous avons dormi là-bas, donc on était là-bas pendant 2 jours hein, tout simplement. Les deux parcs qu'on a fait et nous avons pris des petits souvenirs, donc on y va, c'est parti, je vous fais partager tout ça. Donc on a pris ça, ça c'est ma grande qui m'a dit maman j'ai envie de ça. Bon, on va mettre sur le un magnète, hein, mettre sur le frigo. Donc lui il fait 4 euros à peu près hein. Hop, après on a pris ça, Aurore, donc la poupée Barbie distinguette Aurore, comme ceci. Bon, le prix là franchement je vais pas vous les dire. Non, j'ai pas envie de vous le dire là, je dirai pas les prix. S'il y a quelqu'un qui veut savoir quoi que ce soit, n'hésitez pas, je suis là, il n'y a pas de problème, je vous répondrai. Mais là, franchement, non, ça sert à rien là, pour ça, non. Hop, donc du coup, Aurore, elle est super mignonne, regardez, elle est très sympa. Ça donne envie de la coiffer, je sais pas si ça vous fait la même chose, mais nous aussi, on retombe en enfance avec nos enfants. Donc, en gros, la petite poupée Barbie, Aurore, après... On a été donc, comme je vous ai dit, donc, dans les deux parcs, etc. Donc on a pris un ou deux souvenirs en gros dans le parc Disney normal. Et après on a pris un ou deux souvenirs entre guillemets dans le Disney Village. Donc voilà, tout simplement. Donc hop, ça à mon avis vous devez vous douter. Alors le bruit, j'aurais dû le retirer avant, mais bon. Ça c'est ma grande qui me l'a réclamé. Donc c'est une tasse. Elle est super contente, elle a hâte de boire dedans. Comme ceci. Donc en gros, hein, nos enfants, on les laisse choisir. Ils prennent ce qu'ils veulent. Et elle a voulu celle-ci. Franchement, là, à Disney, ils ont fait des sympathiques choses. Donc, ouais, sympa, sympa. Donc, on a Minnie, on a Mickey, on a Donald, on a Dingo et Pluto. Et un intérieur tout simple. Donc là, on en a fini pour cette tasse. Après, nous avons... Bon, ça, c'est Bernard et Bianca. C'est ma petite enfance, ouais. J'ai beaucoup aimé ce dessin animé. Voilà, qui... Ouais, grâce à mes parents, hein, qui me faisaient regarder, comme tout parent de la Terre, nous faisaient regarder, en gros, les dessins animés de Disney et compagnie. Donc ouais, moi, Bernard et Bianca, j'en ai gardé un très bon souvenir. Donc franchement, j'ai trouvé ça trop mignon, je les ai pris. Je trouve ça trop chou. Ils sont trop trop choux. Ils sont bien collés, etc. Regardez. Ils sont trop mignons. Donc on a pris ça. Je les aime trop, hein. Je les trouve trop mignons. Après, alors, on a pris ça. Donc sachant qu'on a eu réponse. Parce qu'il y avait réponse, je crois. On a déjà pris réponse. On a pris la Belle et la Bête. Là, on a repris celle-ci. Donc là, c'est la fée clochette, en gros, hein, avec plein de petites choses. Donc c'est soit collector, soit pour jouer avec, peu importe. Donc j'essaye de bien vous le montrer. Donc c'est la petite maison de Mistinguette fait clochette. Et plein de petites choses bah, pour jouer hein, tout simplement ou à collectionner. Chacun fait comme il veut. Mais nous on trouve ça très mignon, c'est super sympathique. Hop, en gros ça donne ça, regardez. C'est là. Donc j'espère que vous avez bien vu. Les enfants, ils aiment ça. Et après, on a encore une ou deux petites choses et on en aura fini. Alors là, c'est quoi? Ah, ça, ça c'est mon petit kiff. Ouais, j'avoue, c'est mon petit kiff. Mais en gros, quand on achète des mugs, eh ben, on boit tout dedans. Hop. Donc ça, c'est Zip et j'en suis dingue. Il est trop beau. Bon, faites pas attention, il y a là l'étiquette ici, mais bon, hop. Je vous le montre en gros de face, comme ceci. Il est magnifique, il est bien gros en plus quand même, ça va. Il n'est pas petit quoi, parce qu'il y avait plus petit. Bon, je ne sais plus sous quelle version, la version peut-être d'avant, j'ai oublié, hein, parce que je n'aime pas vous dire des bêtises. Mais je sais qu'il y avait des... Non, il était en plastique je crois, la plus petite version. Passons, hein, c'est pas grave. Donc du coup, là, moi j'aime bien parce qu'il a une bonne contenance, tout simplement. Il est très mignon, oh là 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 là. Franchement, j'aime beaucoup. Je ne sais pas quoi vous dire à part que j'aime beaucoup. Donc moi et mes filles, ben, on se fera une joie de boire à l'intérieur tout ce qu'on veut boire. Et après, nous avons pris et on en aura fini pour ces petits souvenirs de Disney. Je me rhabille. À chaque fois que je vous parle, je me rhabille. On a pris ça parce qu'on fait une petite collection de pins aussi. Donc, on a pris Coco, le dessin animé qu'on a tant aimé. Comme ceci.
Après, derrière, hein, je pense que vous connaissez, hein, il y a les codes, vous savez, il y a les prix verts, les prix orange, les prix bleus, les prix roses, et peu importe, après, à chaque fois, entre guillemets, le pin, ça, entre guillemets, monte au niveau prix, quoi, au niveau tarif. Donc, peu importe, mais en gros, on a pris celui-là. Coco, franchement, dessin animé qui nous a vraiment tous plu avec papa, etc. N'est-ce pas, les choupettes? Il était super bien, on a vraiment aimé avec mes enfants et mon mari. C'était bien, franchement, Coco, très très bien. Et le pin, c'est très joli, j'essaye de bien vous le montrer. Simple, mais sympa. Après, du coup, j'ai pris Vaiana. Donc, Vaiana, non, alors dessus, il n'y a pas Vaiana. C'est Pua et Hey Hey. J'arrive pas trop à le dire, mais bon, il est là. Comme ceci, encore une fois, n'oubliez pas que chaque pin a une couleur. Chaque couleur correspond à un prix différent. Et après, on a pris Blanche-Neige et son prince. Comme ceci. Et le dernier, on en aura fini. On a pris le pin de La Belle et la Bête. Un dessin animé que j'aime vraiment beaucoup aussi. Hop là! Donc voilà les amis, donc on en a fini hein, encore une fois pour cette petite vidéo. J'essaye du mieux que je peux d'être assez rapide hein, pour pas qu'on s'endorme entre guillemets parce que c'est pas le but. Et à la fois j'essaye de un minimum bien vous montrer. Bref, on aime bien blablater, hein, j'aime bien rigoler avec vous. Maintenant moi je vous fais de très très gros bisous. Si vous aimez ce genre de vidéo, bah, n'hésitez pas à partager ou autre, ça fait toujours plaisir encore une fois. Maintenant peu importe, moi je vous fais encore une fois. Deuxième fois, un gros bisou, je vous dis à très vite. Et voilà, j'espère qu'en tout cas ce petit haul vous aura plu. Gros bisous tout le monde. Bye bye, ciao ciao. Bisous, ciao.